Rendez-vous avec Bassirou Kehinde, c'est maintenant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment on se tutoie, on se voit. Oui, on se tutoie, Alors, je te laisse à l'attitude de te présenter. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Bassirou Ken, j'ai 22 ans, je suis sénégalais et français. J'ai fait mes études au lycée français Jean Mermoz. À la suite de cela, je suis allé au Canada, à McGill, pour poursuivre mes études et faire un an d'anglais. À la suite de ça, j'ai décidé de poursuivre mes études en France dans une école de commerce qui s'appelle l'EDC. Et j'ai décidé d'arrêter mes études pour me consacrer entièrement à ma future vie, pour commencer à développer mes différents business. Et là, on en est là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour parler de ma première affaire, qui est ma marque de vêtements BX Club. Pourquoi ce nom BX Club déjà? Parce que BX, déjà le B pour Bassirou. D'accord. Et le X pour exclusive. Donc j'ai assemblé les deux et ça fait BX. Et club parce que pour moi, ma communauté, c'est comme une famille, c'est comme un club. Chaque personne est unique, chaque personne est différente de l'autre et c'est ce qui fait notre force chez nous, chez notre marque. D'accord. D'une école de commerce, tu cesses pour te lancer dans le business. Mais pourquoi lancer une marque de streetwear? Parce que je suis parti d'un problème. Qui est? Qui est que depuis que je suis petit, je ne trouvais pas une marque de streetwear basée au Sénégal qui me convenait. Ça veut dire que depuis que je suis petit, je faisais de nombreux voyages en France puisque j'ai de la famille en France et c'est durant ces périodes-là que je pouvais faire du shopping, etc. Et je me suis dit qu'il y a un réel problème et que ce n'était vraiment, je trouve, pour un continent comme l'Afrique, c'était pas normal qu'on puisse faire nos achats dans notre propre pays, quoi. Et qu'on était obligé d'aller dans un autre pays pour pouvoir s'approvisionner en vêtements ou autre. Donc ça m'est venu de ça. Ensuite, j'en ai un peu discuté avec mes parents et je me suis dit, bon, je vais me lancer et on va voir. Et je ne suis pas mécontent du résultat pour l'instant. D'accord, pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Notre objectif à court terme, c'était de créer une petite communauté. D'accord. Je pense qu'on a un peu franchi cette étape, pardon, même s'il reste encore beaucoup à faire. Notre objectif à moyen terme, c'est là où on en est aujourd'hui, c'est se développer à travers des concept stores. On a commencé avec un concept store. Ce n'est que le début d'une longue ligne, on espère. On veut se développer dans plusieurs concept stores au Sénégal et ensuite aller attaquer d'autres pays africains pour être la base en streetwear, quoi. D'accord. Oui, parce que voilà, rappelons-le, tes articles sont visibles que sur la page Instagram qui lui est dédiée et au concept store tel qu'à Dakar, le F Concept. Voilà, c'est là où tu exposes tes articles. Le F Concept là pour l'instant. D'accord. Et on verra si d'autres opportunités se présentent. Et il me semble que tu es toi tout seul ton équipe créative en fait. Tu es le designer, c'est toi qui fais tout. Je fais tout pour l'instant. C'est ça. En fait, comme. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas t'être entouré de. Parce que là, comme on le sait, la plupart des entrepreneurs, quand ils commencent tout seuls. D'accord. Il n'y a pas forcément les moyens pour prendre une équipe de créa, une équipe de D'accord. com, une équipe de digital, etc. Je fais D'accord. tout moi-même pour l'instant. Jusqu'aux livraisons même, je livre même D'accord. mes propres articles. Et voilà, et ça me permet de connecter parfaitement tout mon rouage. D'accord. Pour qu'ensuite, si jamais un jour j'explose, je pourrai contrôler tout de A à Z parce que j'aurai déjà tout fait moi. D'accord. Même si j'aurai tendance à lâcher prise sur certains, à déléguer certaines tâches, quoi, comme le design, etc. Mais je serai toujours derrière à suivre ce qui se passe réellement et ce qu'ils sont en train de faire pour ma marque, quoi. D'accord. Donc pour l'instant, voilà, tout ce qui est conception, c'est toi. Ouais. Maintenant, voilà, là, au niveau de la confection, autant pour moi, la conception. Maintenant pour la confection, la réalisation de tous tes articles. Exact. Tu le fais où? Au niveau local à Dakar ou bien? Non, en fait, c'est designé au Sénégal. Bien sûr. Mais c'est produit à l'extérieur. Parce que j'ai pas encore. En fait, il faut savoir que nous, on est une marque qui marche à 90%, elle est éco-responsable. Ça veut dire que tous ces produits... Voilà. Tous ces produits que vous voyez, ils sont faits à base de coton 100% bio, que ce soit les pulls, les t-shirts, même les bobs sont faits en polyester recyclé. Et c'est très compliqué de pouvoir trouver un fournisseur basé en Afrique qui peut
qui peut me donner cette qualité de t-shirt, de textile, etc. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'approvisionner en France pour le moment. D'accord. Mais moi, mon objectif, ce qui m'arrangerait au plus, c'est qu'il y ait des filières textiles qui commencent à s'agrandir en Afrique, quoi. Ça serait gagnant-gagnant. D'accord. Super, je vois ça. Donc, pour l'instant, la conception se fait au niveau de Dakar. Et voilà, pour la suite, c'est fait en Europe. En France. D'accord. Donc, je vois que ta marque de streetwear se veut éco-responsable. Exact. D'où l'utilisation du coton bio. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Et je vois que tu es quelqu'un qui est vraiment à cheval sur les codes qui entourent ce qu'est le streetwear. En ce moment, c'est vrai que de plus en plus de marques sont en train d'utiliser du coton organique, etc. Mmh. C'est à la mode, on peut le dire. Les gens recherchent de plus en plus quelque chose d'authentique, quelque chose d'unique, quelque chose qui ne fait pas de mal à la planète, quelque chose qui est durable. Et donc, pour moi, c'était le meilleur moyen de... En parlant de code, j'allais justement en venir au niveau du... Quelles sont tes influences, voilà, pour la réalisation de tes designs? Honnêtement, je suis beaucoup dans ma bulle. Mmh. Ça veut dire que je fonctionne beaucoup au feeling avec moi d'abord ce que j'aime. Parce que je ne me vois pas faire quelque chose que je n'aime pas. Ouais. Même si je pense que ça a ses aspects positifs comme ses aspects négatifs. Ça veut dire que moi, ce que j'aime, ça ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai des influences. Je ne vais pas aller, par exemple, sur le site internet de Off-White ou etc. et regarder ce qu'ils font. Je ne peux pas le faire parce que après, je ne vais pas avoir un sentiment de complexité, mais je vais essayer de trop faire comme ce qu'ils font. Donc, je suis un peu dans ma bulle et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis beaucoup d'artistes sur Instagram, etc. D'accord. Et c'est avec justement leurs images que j'arrive à m'imaginer, à me projeter sur une collection, etc. Je ne suis pas forcément des marques en particulier, c'est ce que je veux dire en fait, c'est plutôt les artistes. Et le but de la marque finale aussi, un des objectifs, c'est de promouvoir énormément d'artistes africains qui ne sont pas encore médiatisés et de pouvoir utiliser leur design, etc. sur mes textiles. Ce qui serait pour moi une des finalités de cette marque, quoi. Comme je le disais tantôt, tu es quelqu'un qui connaît les codes parce que les collabs entre une marque de streetwear avec un artiste issu de la scène hip-hop, c'est quelque chose d'inhérent au streetwear. Ouais. Voilà. Et il me semble que tu as déjà fait une collab avec un artiste. Oui, j'ai fait une collab avec un artiste, un ami de mon frère, mon ami aussi, d'accord, qui s'appelle Nassim d'ailleurs. D'accord. Et ça a bien marché, les gens ont bien aimé. Et je me suis dit qu'il y avait un réel potentiel derrière tout ça en fait. Que ce soit de l'art, chanter, faire de la musique, faire du rap ou de l'art, quelqu'un qui dessine, etc. Je me suis dit qu'il y a un potentiel dans tout ça. Et c'est aussi de mettre en avant des fois des talents cachés et voilà quoi. Donc moi déjà, de mon côté, ça me fait plaisir. Et d'autant plus si ça marche, ça me fait encore plus plaisir. D'accord, on va Parce que je suis quelqu'un qui a quand même un peu la main sur le cœur. Donc si je peux faire quelque chose qui va mettre en avant quelqu'un d'autre, tout en me mettant en avant aussi, puisque ce sont mes textiles, ce sont ma marque, d'accord, je le ferai sans souci. Pour l'instant, Bigs Club, tu es voilà, dans tout ce que tu fais. On voit que ce n'est pas fait en masse. Oui, voilà. C'est pas en masse. Tu mets vraiment un point d'honneur sur la qualité. Sur la qualité. Bon, à long terme, tu comptes toujours poursuivre dans ce sens-là, ne bosser, parce qu'il faut savoir qu'avec Base Club, tout se fait en précommande. Exactement. C'est bien ça? Oui, mais là, justement, on va commencer à avoir des stocks tampons, etc. D'accord. Justement pour les concept stores, pour pouvoir leur fournir la quantité requise, mais aussi pour les clients qui décident du tic au tac, je veux ça, je veux ça, je veux ça. D'accord. Au début, on avait décidé de fonctionner en précommande parce que je me disais que personnellement, c'était mieux. On ne sait jamais. Si ça fait un flop, au moins, je ne perds rien. Au moins, je n'ai pas de stock. Au moins, tu vois. Précommande, c'est plus simple pour moi et c'est plus rassurant d'un côté. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé de fonctionner comme ça. Mais là, on est en train de tout retravailler pour pouvoir avoir des stocks tampons, pour pouvoir faire plaisir aux clients quand ils en ont envie. Quoi. D'accord. Parce que là, avec les précommandes, le problème, c'est que des fois, hop, il veut ça, mais bon, il n'y a pas une commande qui part, donc c'est un peu juste, tu vois. Mmh. Mais là, avec le stock tampon, ça va me permettre de plus pouvoir vendre, etc. D'accord. Pour l'instant, tu es implanté à Dakar, au Sénégal. Ouais. Quelle sera la prochaine destination où tu vises t'implanter? Après Dakar, je vise sûrement de m'implanter à Abidjan. On sait que
C'est un pays où... C'est le hub de l'Afrique de l'Ouest, comme on dit. Exactement, voilà. C'est le hub de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont dans la fashion, ils aiment sortir. Donc voilà, s'implanter au niveau d'Abidjan, je crois que c'est un choix vraiment, un bon choix. Et puis c'est stratégique aussi parce que, question pour voilà, une marque qui veut vraiment promouvoir des artistes, là-bas il y en a foison. C'est un autre monde et aussi je pense qu'il y a beaucoup plus de pouvoir d'achat que exactement. Et puis là-bas il y a ce goût du risque là. Exactement. Ce qui, bon. Je vais pas dire un peu le goût de la frime, mais il y a un truc qu'ils ont qu'on n'a pas. Non, j'allais justement dire, c'est pas pour voilà. C'est pas méchant. Non, c'est ici. Oui, c'est pas négatif. C'est au niveau de Dakar, mais bon, c'est Abidjan quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Mm-hmm. La vision, voilà, à long terme. Ce serait d'être une marque de streetwear reconnue mondialement, écoute. À l'instar de. À l'instar de plusieurs autres marques quoi. Je sens ce truc-là de ne pas parler des autres, en fait. Ouais, j'aime pas parler des autres, je parle de moi. Oui, mais bon. Je sais pas. Quand il y a quelque chose qui se fait bien. Non, bien sûr. Bon, ça tombe bien. Déjà, sur la ce qui se fait en matière de streetwear actuellement. Ouais. Voilà. Il y a quelle marque qui te parle? Le travail, voilà, tu reconnais que voilà, tu apprécies le travail. En Afrique, à l'intérieur. En Afrique, déjà, j'aime beaucoup Palm Angels ce qu'ils font. Je ne sais pas si vous connaissez, bon. Palm Angels. Franchement. Sûrement, vous connaissez, j'aime beaucoup. D'accord. Pour moi, c'est une de mes références. Genre. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils D'accord. font. Okay. Et j'aime surtout beaucoup leurs coupes aussi. Mm-hmm. Ils sont très larges, très oversized, j'aime beaucoup. Après, il y en a plein, mais bon, moi, pour moi, c'est mon top 1. D'accord. C'est mon top 1. Après, il y en a plein d'autres qui sont venus. Pas forcément streetwear, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Axel Arigato. Bien sûr. Ça aussi, j'aime beaucoup et ils sont en train aussi beaucoup de travailler avec du coton organique et tout. Et je trouve que c'est accessible. D'accord. C'est accessible. C'est classe, c'est élégant, c'est luxueux, mais c'est accessible. D'accord. C'est accessible. Donc voilà. Le but aussi, ce serait de faire une marque accessible à tout le monde, mais qui a les caractéristiques d'une grande marque qui n'est pas accessible à tout le monde. Tu vois? Mon but, c'est pas d'arriver à vendre des t-shirts à 600, 700 euros. Mon but, ce serait de vendre des t-shirts abordables pour que n'importe qui dans le monde puisse avoir un t-shirt de qualité qui n'a rien à envier aux t-shirts de grandes marques. D'accord. Voilà. Donc, pour l'instant, tes œuvres sont voilà, accessibles. On peut les avoir dans les concept stores. Mais voilà, après, tu comptes voilà, peut-être faire des défilés. Ou bien ouvrir un pop-up store, des trucs dans ce genre? Honnêtement, un pop-up store. Ou poursuivre juste sur le digital et puis avec les concept stores. Je pense que ça aurait plutôt dans cette optique parce que les pop-up stores, tout ça, je ne me vois pas gérer une boutique, etc. Et honnêtement, c'est. Mais c'est éphémère. C'est éphémère, ouais. Mais bon. Par exemple, on peut pour une collab avec un artiste. Oui, on pourrait faire un pop-up store, oui. Je n'ai pas bien assimilé. D'accord. On pourrait faire bien sûr des pop-up stores avec certains artistes et même. Faire des défilés et justement là ce serait une bonne opportunité pour promouvoir vraiment un artiste et faire une full collection quoi qu'avec lui ce serait bien, ce serait même très très bien comme Virgil Abloh. Je fais exprès de te dire ça parce que je sais que tu n'aimes pas parler des autres, je fais exprès. Mais tu fais du travail remarquable. Mais en parlant de lui, tu suis un peu ce qu'il fait et puis voilà toutes les polémiques qui sont autour de lui. Mais comment tu trouves ce qu'il arrive à faire avec maintenant Louis Vuitton, avec Off-White? Pour moi, il atteint le summum. Il a atteint le summum. Il y a quelques années, il était invité nulle part à aucune Fashion Week ni rien. Et là aujourd'hui, c'est... Tu n'es pas de ceux qui disent qu'il voilà, il est au bout de sa créativité, maintenant il n'arrive plus à se renouveler. Bon, en vrai, pour moi, même s'il n'arrive plus à se renouveler, ce qu'il a fait, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Mm-hmm. Donc, arriver au stade où il est arrivé, déjà pour moi, si je peux arriver là-bas, c'est très bien. Que je n'arrive plus à être créatif ou quoi, c'est pas grave, je suis arrivé là-bas. Il a fait beaucoup de choses qui sont bien. Après, la direction artistique chez lui, putain, quand même. Ouais, quand même. C'est pas n'importe qui a voilà. Et même Off-White, hein, il a fait du travail remarquable. Oui, avec Off-White, bien sûr. Bien sûr, mais bon. Il a fait du travail remarquable. Ouais, on parlait de collab avec des artistes. Alors, quel genre musical tu es très. Bon, honnêtement, j'écoute de tout. De tout, hein. De tout. Du rap. T'as un goût assez éclectique, quoi, c'est ça? J'écoute tout. Par exemple, moi, mon frère, il est rappeur, il fait de la musique. D'accord.
Gros big up à toi, Mousse. Je fais de la musique, j'écoute du rap, je peux écouter de la mélo, je peux écouter de la deep, je peux écouter des musiques espagnoles. Travis Scott? J'écoute tout, j'écoute. D'accord. Tant que ça me sonne bien, que j'aime bien la vibes, c'est bon. Tu sais pourquoi j'ai dit Travis Scott? Oui, pour sa marque de vêtements. Oui. Lui aussi, il a vraiment fait du bon travail. Et c'est quelqu'un de très, très, très créatif, je trouve, et qui apporte quelque chose de nouveau. Il est dans sa folie, quoi. Oui, mais ses merch sont... C'est vraiment, voilà, il y a... Tu ressens de la créativité, il y a de la qualité, il y a ce goût du risque. Voilà, il ne se contente pas au dictat de la mode, comme on dit. Voilà, c'est vrai. Exactement. Il fait ce qu'il veut. Et c'est ce qui est bien avec le streetwear. C'est ça. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il aime. Chacun... défoule son énergie sur un t-shirt, s'il veut qu'il y ait des trous partout, des taches de peinture, chacun fait ce qu'il veut et après si il ça plaît. Il représente pas une influence pour toi? Honnêtement. Tu sais un peu ce qu'il fait, non? Pas forcément. Pas forcément, je suis pas forcément in sur son Insta ou bien sur ses trucs, mais ça m'arrive de regarder de temps en temps, bien sûr. Mais encore une fois, j'essaye d'éviter vraiment au maximum de m'inspirer de tout ce qui est déjà en place pour pouvoir créer un truc nouveau, un truc qui est à côté de ce qui est déjà créé, qui apporte une différence, c'est juste me différencier des autres. Des outfits où tu te verrais toi-même les arborer. Oui. Il y a tout ça. Exactement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, je vais te prendre des exemples. Par exemple, Palm Angels, ils ont commencé à faire, à écrire d'une certaine façon, avec une certaine typologie, à mettre des écritures sur leur col. Mais il y en a combien après qui ont fait ça? Même si ça marche, il y en a combien après qui ont fait ça? Pour moi, ils n'ont rien apporté de nouveau. Eux, ils ont apporté un truc de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je cherche à faire, quoi, apporter quelque chose de nouveau et quelque chose qui me donnerait un avantage sur mes concurrents, quoi, et sur les autres marques. D'accord. Et je pense que promouvoir l'art africain, ça pourrait être quelque chose de bon. En parlant de l'art africain, tu comptes faire quoi, voilà, au niveau de ce qui se fait en Afrique? Bon, par exemple, t'es imprégné de notre culture, mais comment? Par exemple, je vais donner un exemple banal. Au travail de ma mère, il y a un créatif qui fait des mangas africains. D'accord. Tu vois? Et j'avais parlé avec lui, et, etc. Ça l'avait intéressé. Et mon objectif, ce serait justement de trouver plein de petits créatifs comme ça, niches que personne ne connaît, et d'utiliser leurs images tout en restant dans le thème Afrique, mais pas forcément aussi, parce que des mangas noirs, en Afrique, c'est pas mis en valeur, alors que pourtant, ça pourrait être mis en valeur et que ça pourrait marcher, ça pourrait exploser, tu vois. Plein de petits trucs comme ça, et les exposer, les mettre sur mes textiles, et je suis sûr, je suis persuadé que ça pourrait marcher. Il y a tellement d'otaku sur le continent. Il y en a plein. Il y a plein d'artistes à découvrir, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, il y en a plein. D'accord. Donc, ce serait ça, quoi, l'objectif final. Et... on va commencer petit à petit à travailler avec des artistes africains et commencer à les mettre en avant. D'accord. Tu te veux et tu es vraiment un self-made man. C'est ce que je veux. Voilà. Maintenant, as-tu suivi une formation en ce qui concerne réaliser tes designs, les graphiques, tous les visuels qu'on voit sur tes articles? Pas du tout. En fait, j'ai appris sur le tas. En mode autodidacte? Oui. Et sur le tas aussi? J'ai appris sur le tas, exactement. Par exemple, j'allais au bureau, je restais avec les créas, je voyais comment utiliser Photoshop, je lui dis comment on fait ci, comment on fait ça, aide-moi pour faire ça. Et au fil du temps, j'ai commencé à apprendre et à maîtriser un peu. Mais je ne connais pas encore tout, pas encore tout, loin de là. Je connais juste ce qui est rudimentaire pour pouvoir réaliser quelque chose, pour pouvoir faire ci, faire ça, quoi. Il y a beaucoup encore que je dois apprendre. Beaucoup. Donc, tu apprends au fur et à mesure, fil du temps, au fil du temps, autant pour moi, tu te perfectionnes. Je me perfectionne au fil du temps. Là, d'ailleurs, je vais même commencer bientôt une formation afin de pouvoir. Une formation de e-commerce en général. Comme ça, je pourrais commencer à créer moi-même mes sites, etc. Tu vois. Donc, je me veux vraiment dans le mode self-made. Et de toute façon, j'ai ça en moi depuis que je suis petit, quoi. J'ai l'esprit d'entreprendre depuis tout petit. Ma mère a entre. Elle a une entreprise, mon père de même, ils ont toujours eu cet esprit et ils ont toujours été là à la maison de nous parler affaires, de nous parler business. Et moi, depuis petit, ça m'a captivé.
Et j'ai tout de suite eu envie d'entreprendre dans la vie. Et je savais que je n'étais pas heureux à l'école. Très honnêtement, les études, ça ne me captivait pas. Et je suis quelqu'un de très curieux, de très créatif et surtout d'hyperactif. Donc, assis sur un banc à l'école et de suivre des cours, pour moi, ce n'était pas ce qui me donnait la joie, quoi. Moi, je voulais vivre, créer des trucs, commencer à être indépendant, commencer à créer ma marque, la mettre en avant. Ça pouvait commencer par autre chose, hein. Mon premier business, c'était pas une marque d'habits. Je l'ai juste mis de côté et ensuite, j'ai commencé avec la marque d'habits, quoi. Ben voilà, d'hyperactif maintenant à super productif. Et voilà, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça, okay. Ouais. Tu sais un peu ce qui se fait en matière de mode en Afrique ? En Afrique, pas énormément. Comme je t'ai dit, je suis vraiment dans ma bulle. Mm-hmm. J'essaie de perfectionner d'abord mes produits, ensuite regarder ailleurs. Pas énormément, mais j'ai entendu parler de beaucoup d'artistes, même grâce même à... Même au niveau local, hein, au niveau du Sénégal. Oui, même au niveau du Sénégal, j'ai appris... Faiz m'a fait découvrir d'ailleurs beaucoup d'artistes, dont Jara Blue. Et vraiment, quand j'ai vu son travail, j'étais époustouflé. Oui, Jara Blue qui fait du super bon travail. Ouais. Et dans les articles sont exposés au sein de ce concept store, le F-Concept à Dakar. Voilà, c'était l'instant promo. Vraiment du très bon travail et félicitations à elle et beaucoup de courage et beaucoup de réussite en tout cas. D'accord. Donc pour l'instant, tu es avec ta marque de streetwear. C'est quoi la prochaine étape? C'est quel autre business? Le prochain business. Déjà, je sais que tu aimes l'agriculture. Ce sera ça le prochain domaine? Déjà, on va essayer de pousser ça au bout. Oui. Ensuite, ouais, pourquoi pas. Bon, à quel moment tu vas te dire, bon, j'ai atteint un niveau, je m'arrête là, je passe à un autre domaine? Si ça prend, je ne vais jamais m'arrêter. D'accord. Si ça prend, je ne vais jamais m'arrêter. Juste, ça va être un parmi tant d'autres. Ouais, quoi. Tu vas te diversifier. Je vais me diversifier. Mais dans quel domaine? Moi, je dis agriculture. D'avoir eu à parler avec toi, c'est que. Oui, agriculture, ça c'est clair que l'agriculture, ça m'intéresserait. Ouais. Et je sais que pour... Et pourquoi ça t'intéresse déjà? On aimerait bien savoir. Parce que pour moi, c'est le futur de l'Afrique. À partir du moment où on aura besoin d'autosuffisance alimentaire pour pouvoir se développer, à partir du moment où les gens vont comprendre qu'il faut arrêter de consommer ailleurs au lieu que de consommer local, je pense qu'à partir de ce moment-là, on n'aura plus rien à craindre de personne. D'accord. L'Afrique sera déjà très loin. D'accord. Alors, depuis le lancement de Bex Club, quelles sont les difficultés auxquelles tu as eu à... Voilà, que tu as rencontrées jusque-là? Déjà. Et d'ailleurs, Bex Club, ça fait combien de temps? Ça a été le 5e année? Bientôt, ça va faire un an. D'accord. Bientôt un an. Ça a été lancé en août 2020. D'accord. Voilà, bientôt un an. Mmh. Les difficultés, déjà, au début, c'est de trouver des fournisseurs. Mmh. Ensuite, la qualité des t-shirts. Bon, moi, j'ai pas eu trop de problèmes à cause de ça, parce que j'ai trouvé un fournisseur carré, correct. Mais par exemple, les modèles là que j'utilisais, je les avais pas avant. D'accord. Donc, je travaillais sur des modèles simples et des modèles basiques. Là, cette année, j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler sur des modèles oversize, des coupes larges avec des cols imposants. Ensuite, aussi, la clientèle, c'est vraiment pas facile au début. D'accord. De créer sa petite communauté, c'est compliqué, ça demande du travail, il y a beaucoup de déceptions. Mmh. Quand tu fais des séries et des séries de collections et que tu vois que celle dont tu penses qui va cartonner, elle cartonne pas. Et il y a une autre que tu voyais d'un autre œil, oui. Tu vois qu'elle marche, tu sais plus comment faire, quoi. Tu as beaucoup de doutes, mais... Ce que je dirais, ce qui est intéressant, c'est que si tu aimes vraiment, je pense que tu auras la persévérance. Et aujourd'hui, je suis fier des produits que je propose. Et D'accord. Quand je vois quelqu'un dans la rue marcher avec mon t-shirt ou mon short, c'est la satisfaction, quoi. La satisfaction finale. Une fierté. C'est une fierté, bien sûr, d'avoir mon produit sur quelqu'un. C'est une fierté, c'est une finalité. Et c'est tout ce que je recherche, quoi. D'accord. Alors, si vous, nous arrivons à la fin de cet entretien, voilà. Je te laisse assez vite de dire ton mot de fin. Donc, merci à toute l'équipe de Fashion Africa d'avoir pris le temps de m'écouter et de mettre en avant mes articles. Et j'espère que... Ton travail. Mon travail. Mm-hmm. J'espère que ça n'aura que des effets positifs et que ça pourra me permettre d'obtenir plus de visibilité et de faire un peu plus connaître mon travail à travers toute l'Afrique. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Voilà, ainsi s'achève cet entretien avec Bassirou Kaindé.
un réel plaisir d'avoir pu Merci. Le faire cette émission partage. Avec toi. Voilà, et tu sais ou combien j'aime bien tes articles d'Ex Club. Voilà. Où on peut retrouver déjà Sur F-Concept, chez F-Concept. Concept à Dakar. À Dakar et sur ma page Instagram BX Club. D'accord. Voilà. Vous savez tout maintenant. Je vous dis à bientôt. À bientôt.